Bon, je vous montre où on a passé la nuit. On a passé la nuit à Ménétréol sous Sancerre. Voilà, c'est à côté de Sancerre. On a très bien dormi, on a eu beaucoup de pluie cette nuit. Mais là, ce matin, c'est plein soleil. Youhou! Alors, comme vous pouvez voir, hein, c'est un parking. Tout simple, où les camping-cars sont autorisés jour comme de nuit, très très calme. Hier soir, il y avait un autre camping-car avec nous, ils sont partis ce matin. Voilà. Nous sommes entourés de pistes cyclables, de routes et de repistes cyclables. Voilà. De quoi faire. Et derrière les arbres là-bas, sur le mont, on aperçoit ce qu'on va visiter aujourd'hui, c'est-à-dire Sancerre. Sancerre, ça a l'air d'être tout en montée. Allez, on va aller se restaurer petit déjeuner pour une belle journée. Je ne sais pas si vous allez voir avec le reflet, mais il y en a un qui me guette. À la vitre. Il y en a qui me guettent à la vitre. Ah, bah, Loulou, tu veux pas être filmé? Bah alors? Il est à la fenêtre, il voit que j'arrive avec l'appareil. Il fuit. Bon, les Dreamers, je suis en train de faire le montage même de cette vidéo et. Et puis on a oublié le en route. Et pas possible de le faire puisque Pat, à l'heure où je monte la vidéo, le jour où je monte la vidéo, est en train de pêcher. Donc, ben, pour aller à Sancerre, on dit... En route! Elle, c'est Val. Et lui, c'est Pat. À bord de notre Sprinter Sweet Dreamer et avec notre petit chien Loupi, nous aimons les voyages et les découvertes en France mais aussi à l'étranger. Nous avons plaisir de vous partager nos escapades. Alors embarquement immédiat et en route. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut les Dreamers. Sous un beau soleil. Même s'il y a des nuages, il y a un beau soleil, il fait chaud. On a eu un petit peu de pluie hier au soir. Hier au soir, on a eu de la pluie. Mais on s'en fout, on visite pas le soir, ni la nuit. Donc, ben, aujourd'hui, on vous amène à Sancerre. Sancerre. Voilà. C'est la ville du vin. La ville du vin. Ah. Et puis, ben. Le Sancerre. Bon, nous, on boit pas trop de vin, donc, quasiment pas. Donc, Sancerre à rien. Bon, ben, bon visionnage pour cette vidéo et on se retrouve à la fin. Regardez jusqu'au bout et puis abonnez-vous. Ouais. Ciao, ciao. Le vignoble du Sancerre s'étend sur 14 communes et 2800 hectares. Véritable référence dans le monde, les vins de Sancerre font la renommée de ce vignoble. Les cépages de Sancerre sont les Sauvignon blanc et le Pinot noir. À l'époque carolingienne, un petit village à flanc de coteau aurait été nommé Sancerre. Il serait devenu Sancerre par déformation populaire. Sancerre demeure un lieu incontournable au charme intemporel. La singularité de ses ruelles médiévales étroites et pittoresques en font l'un des plus beaux villages de France. C'est aussi le berceau de deux produits gastronomiques, les vins de Sancerre et le crottin de Chavignol, soit deux AOC sur un même territoire. Ses habitants sont les Sancerrois et Sancerroises. Dans la ville, il y a des expos de photos, comme ça. Voilà, les scènes de vie d'autrefois.
C'est ça, il y a des baleines qui se sont échouées. Notre-Dame de Sancerre. Sa construction a été entreprise en 1658, interrompue en 1660, puis reprise en 1752. Elle jouxte le beffroi et s'appelait anciennement l'église Saint-Jean, mais elle fut détruite en 1725 par la chute de la cloche du beffroi, puis remplacée durant de longs travaux de 1836 à 1867 pour devenir Notre-Dame de Sancerre. Je viens de demander à un Pat s'il voulait s'acheter une bouteille de Sancerre. Et tu m'as dit quoi? Non, non. De toute façon, c'est que du vin. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Yes, blague de Pat. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était sympa. Oui, c'est sympa. Bon, ouais. On voulait voir le château, mais tout est payant. Donc, ben, comme nous, on ne paye pas. Parce qu'on est des radins. Hein. Non, mais bon, même le château n'est pas visible de la rue. Donc, tant pis. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non. Voilà, vous avez eu un aperçu de Sancerre. C'est plus petit que je ne pensais. Je pensais que c'était plus grand, moi. Oui, ça me fait penser à une autre ville similaire aussi, Châteauneuf-du-Pape, et l'autre du côté de Bordeaux. Là. Voilà. Bon, si vous savez le nom de celle qui est à côté de Bordeaux, ouais, va s'en souvenir, commentaire. Je vous le mettrai là, parce que sinon ça va être très long. Donc... Non, non, ils vont me dire dans leurs commentaires. Donc, oui, vous le dites dans le commentaire.
Mais bon, s'ils connaissent pas Sancerre, ils vont avoir du mal à faire. Non, mais il y a des villages comme ça qui sont réputés pour leur vin Bah, le Médoc, et qui dans le parlent. Médoc. Laisse, ils vont réfléchir. Ok. Hein? Allez. Bon, alors maintenant, vous vous taisez et vous sortez vos cahiers de géographie. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve, on espère que ça vous a plu. On se retrouve samedi prochain. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et de vous abonner. Parce que une chaîne YouTube, ça grandit grâce à ses abonnements. Ouais. Voilà. Et puis, si le corps vous en dit, rejoignez-nous sur Instagram. Vous avez l'adresse en description. Sur ce, les amis, on vous fait de gros bisous. Et quoi que vous fassiez, faites-le toujours bien. Même si vous faites rien. Discretos, on l'a posé sur le banc. Hein? Ouais.